Re tout le monde, re Napta, re le chat, re les gens. Toujours Jake pour Iva Sound Studio, toujours sur Oddworld premier du nom, mais on approche de la fin. Enfin, on approche de la fin. Il y a encore pas mal à faire, mais la fin, du moins la fin approche. On va plutôt dire ça comme ça. Voilà. Ce pauvre lézard, c'est une parure barbare. On lui a cousu le bec. Je sais pas en vrai si c'est volontaire ou pas. Du lore de ces créatures, je ne sais pas du tout. Je n'en sais rien. Mais c'est pas un lézard en vrai, c'est un humanoïde. C'est pire. Hop là. Bah continuez. Follow me. Donc normalement on est de retour à Rupture Farms. Et voilà, on est ici. Alors, on est dans cette zone-là. Je n'ai pas le cheminement volontairement sous les yeux. Je sais juste que j'ai des gens à sauver. D'accord. Il y a 5 zones secrètes, c'est ça? Il y a 5 zones secrètes. Et sans compter les... Et en plus des zones secrètes, au total, j'ai 73 comparses à sauver. 73, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va faire au mieux, hein. Non, ça va, j'ai pas trop décalage. Donc, il y a des gens qui sont là. Là, je vais éviter d'y aller parce que je vais me faire démonter. Donc, on saute là. Bonjour les gens. Bonjour tout le monde. Ah ben, j'en ai 3 gratuits là. Ils ont eu du mal à réagir au hello quand même. Allez, ça fait 3 personnes sauvées. Et le fait de les avoir sauvées, ça recharge mon pouvoir. Effet lumineux sur 20. Pardon. Je voudrais récupérer mon pouvoir. Bon. Ok, nickel. Il aime bien se prendre les murs. Oui, mais ça, mon personnage, il fait que ça. Alors, ah oui, on est de retour dans la toute première zone. D'accord, ok. Ok, ok. Ça va être un peu... au pif au maître parce que je l'avais passé tellement vite cette zone là que j'avais oublié beaucoup beaucoup de choses et donc j'en ai sacrifié énormément. Il reste 206 personnes, employés, camarades à sauver. J'ai malheureusement sacrifié 48 victimes dont une très grande partie dans les deux premières zones et j'en ai sauvé 45. C'est pas énorme hein, en vrai. Et ça me fait mal. C'est quoi ça? Ok. Une minute, c'est la zone de départ, mais il y a des choses qui ont changé. Ils ont augmenté la sécurité. Ils ont augmenté la sécurité. Si je vais là, la mine me fonce dessus, donc je ne peux plus aller là. C'est juste pour tester. Oh, bon, c'est pas ça en fait. Je peux faire péter le mur.
la mine ne réagit pas. La mine ne réagit pas du tout. Je suis quand même passé. Je pense que c'est tout ce que j'avais besoin. Mais hop, 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 hop. Demi-tour. Donc, on a un ennemi là-haut. Voilà. Ah. Allez, faut passer. Non, mais il a le nez dedans. Il a le nez dedans. J'enlève le casque, mal aux oreilles. Ah, désolé. La ration du sauvé sacrifié, pas bon du tout. Le ratio, ouais, je suis d'accord. Allez, ça c'est fait. Logiquement, là, j'ai plus rien à faire, donc je suis obligé de monter. C'est quoi ce 3 là? C'est pour ça que j'en ai sauvé 3. Mince, attendez. Non, ça c'est juste les trucs. Ouais, donc ils ont même gardé les phrases d'indication. Allez, c'est parti. Zoulag 1, retour à la ferme où Abe passa sa vie pour résoudre enfin le conflit qui agite son esprit. Comment j'ai fait pour oublier les trois là d'en bas là? Non, non, parce que vu que j'avais déjà quitté le truc, les autres étaient sacrifiés. Non, ils sont rajoutés. Ok, j'ai un mur ici. Je suis content. Et j'ai des chiens. J'ai raté. Voilà. J'ai sacrifié quelqu'un ou pas? J'ai pas vu si j'ai sacrifié quelqu'un. Je sais plus. Là, je sais qu'il y avait des esclaves que j'ai jamais pu faire passer comme je le voulais, dès la première zone du jeu. Il y a une mine quelque part.
Il n'y a pas qu'une mine d'ailleurs. Pas grave. Quoi ? Ça compte pas. Là, il y a des esclaves. Les portes sécurisées sont réservées aussi. Et il y a un copain là, là-bas au fond. On va d'abord aller là. Non, attendez. Non, ça c'est pour que mes camarades s'échappent, d'accord. Hello. Hello. Follow me. Ça a fonctionné une fois sur quatre. Hein. Ah, attendez, attendez. C'est après, c'est encore après. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, j'ai récupéré un pouvoir. Ça ne fonctionne pas sur ça. Pourquoi la machine, il n'y a plus rien dessus. Bon, je peux pas passer là, je sais pas pourquoi. J'essaye de regarder en arrière au passage. Bon, je pense que là je suis bon. Je pense. Ou alors, attendez. C'est peut-être à cause de ce levier en fait. Donc en gros... Non, d'accord, une fois qu'il est appuyé, il est appuyé. Ça change rien. Allez. Hop là. Non ! J'ai toujours mon pouvoir ou... Ok. Tac. Ça, je touche pas. Punaise! Attends, quoi? C'est temporaire? Le levier, c'est juste quelques secondes? Bon. Je suis passé à 240, pardon, à 49 évadés, 48 victimes. Donc je repasse au-dessus, c'est déjà pas mal. Non !
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Je m'en souvenais pas de ça. Que les chiens, c'est bon. Je veux dire que oui. Oui, bien sûr. Ok, allez. Non, attends. Hey there. Hi. Follow me. Let's go. Wait, sure. C'est à peu près ça. À peu près. J'ai pas tout compris, je vous l'avoue. Je suis passé là, mais de hein, ça s'est joué à rien. Et ça, c'est juste pour la porte. Et j'ai plein de chiens. Il y a plein de chiens. Il y a un truc. Je pense qu'il faut que j'envoûte quelqu'un en fait. Donc, j'ai vu qu'il y avait une plateforme sur la gauche. Alors. Non. Pas ce que j'espérais. Punaise, mais il y avait peut-être des esclaves en plus. Oui, je viens d'en tuer. Le compteur a augmenté, je viens d'en tuer. Oh, punaise. Salut Eleanora. Comment tu vas? Eux ils sont toujours en vie. C'est bon. Allez. Voilà, ça c'est fait. Là on est bon. Donc.
vais re-récupérer lui. Ça va, et toi? Bah écoute, ça va tranquille. Ça va tranquille, le jeu avance petit à petit, donc voilà. Pas trop en bouillie, vu toutes les morts que j'ai, on n'est plus au niveau de viande hachée là, à ce niveau là, c'est de la soupe. C'est horrible de dire ça. Cool. Donc là, j'en ai sauvé 53 et le nombre de victimes est resté à 48. Donc c'est bon. Plus que 198. On dirait une porte de monstres et compagnie, ça. Pour ceux qu'on l'arrête. Ah, d'accord, je comprends. Donc là, c'était la zone je sais pas quoi 1 et on va passer à la zone je sais pas quoi 2. Donc là, il y a une porte. Il y a un truc là. Hop. Les portes sécurisées sont réservées aussi. J'aimerais bien voir une vraie sonnette où on faut appuyer comme ça, parce qu'en vrai, on dirait un vieux levier de train en fait, ou d'aiguillage. Ah punaise, mais c'était ça dans la zone d'avant. J'ai complètement raté un truc alors. J'ai complètement raté un truc dans la zone d'avant, je suis dégoûté. Pas trop été embêté par des bots, si, un peu quand même. Comment est la maniabilité sur cette version? Il me semble que j'avais joué sur PS1, mais la maniabilité super lourde m'avait découragé. Alors, par rapport à... Bon, je connais la licence de nom. Je n'y ai jamais joué autant avant que sur cette version-là. Par contre, j'ai déjà vu des graphismes d'avant. Donc, juste en termes de graphisme, il y a une sacrée amélioration, on peut pas le dire. Enfin, ça a été entièrement refait, donc c'est un vrai remake, c'est pas un lissage. La musique colle parfaitement en termes de cohérence, même si je ne l'apprécie pas personnellement, parce que j'écouterai pas ça tous les jours, mais elle est cohérente. En termes de gameplay, enfin, l'histoire est cohérente, et l'histoire fait passer des messages très très importants de toute façon. Par contre, le gameplay, c'est du gameplay de plateforme, c'est intéressant, mais par contre... temps de réaction sur 20, quoi. Des fois, enfin même pas, c'est souvent le personnage, le temps qu'il réagisse, qu'il se tourne et tout, bon, on se fait bouffer, enfin... Je trouve le personnage vraiment lent à réagir à beaucoup de choses. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc... C'est quoi cette histoire de bot? T'es pas au courant, Imagiro? C'est pour ça qu'il y a eu la grève Twitch au début du mois. Enfin, en partie du mois. Pas seulement. Imra, je te laisse expliquer, si ça te fait plaisir. Mais là, ce soir, je bannis...
J'ai pas tout banni, hein. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 5 à bannir, mais c'est des caractères spéciaux, donc j'ai du mal à les taper, il faudrait que je fasse du copier-coller. Mais sinon, j'ai banni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tout pile. J'en ai banni 10 tout pile ce soir. La lenteur de la réaction, ouais, c'est ça. Allez, on monte. Zulak 3. Oh, il y a des portes. Non, une zone avec des portes. Au secours. Les suppresseurs d'incantations sont difficiles à faire fléchir, mais on se fait toujours mieux comprendre avec une grenade bien préparée. En fait, je voulais juste réfléchir. Bah, en vrai, c'est des bots. Alors, c'est des gens qui sont idiots, certes, mais vu le spam de bots que c'est des bots de Russie, de Chine, enfin, de pays pas très regardants, quoi. Ah, mais il tue mon camarade aussi! Pas du tout ce qu'il faut faire. Je crois que j'ai trouvé. Alors, petite save rapide parce que là je pense que j'ai fait un peu au hasard en fait. Hey there. Hello. Follow me. Okay. Je peux pas sauver Je pourrais t'expliquer comment aller. Ouais, je veux bien Imra. Ouais, je suis preneur. Ça reste un déploiement de force ou de même, on déploie pas ce genre de choses tout juste pour faire chier. Oui, exactement. Après, ici, on a déjà eu des petits bots, enfin, par lot de 1 ou de 2, on va dire ça comme ça. Là ce soir, que je pense que c'est la personne ou le bot. Là ce soir, comme on a eu, c'était exceptionnel. C'est la première fois que ça arrivait comme ça, quoi. Là par contre, c'est pour ça que j'ai désactivé les alertes. Parce que sinon, déjà ça me dérange. Ça va vous déranger, ça me dérange moi. Mais temporairement, j'ai désactivé les alertes. Ouais. Mais là, je vois que ça fait plus d'une heure que le bot se tient sage. Je pourrais peut-être les réactiver en vrai. J'ai désactivé les alertes, mais après bannir, j'ai banni ce que j'ai pu à la main vite fait, mais je suis pas là pour bannir des gens en direct, quoi. Je suis là pour montrer, on est là pour montrer certaines choses et voilà, donc tant pis. Hein. Le chat, il est quand même relativement restreint sans trop, donc je m'attends pas forcément à beaucoup de spam sur le chat, sur les alertes. Bon, ben voilà. Donc bon.
pense que là, vu que la personne a compris que les alertes s'affichaient plus, elle s'est calmée. Il est 1h30, je vais les réactiver, si ça revient, on verra. Je vais les réactiver, on verra bien. Je me souviens, c'est tout le monde ce soir. Bah comme quoi, ça doit être le vendredi soir. Je me souviens, il y a un mois ou deux, il y a eu un déferlement de boss chez Mr. Green. 2000... Ouais, il nous en avait parlé, Mr. Green. Il s'est amusé apparemment. Bon. Twitch a prévu quelque chose? Ouais, en décembre. Sans rire, hein. Ils ont prévu quelque chose, mais en décembre. Mais d'ailleurs, t'as dû... Enfin, tous ceux qui sont relativement actifs sur Twitch ont reçu un mail par rapport à ça, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Voilà. C'est quand même un problème qui est connu depuis bien longtemps. Alors, ça prend énormément d'ampleur. Et que Twitch y réfléchisse que maintenant, ouais, c'est problématique. Il a fallu faire un mouvement qui a pris un peu d'ampleur quand même pour que Twitch réagisse, c'est pas normal quoi. J'ai tenté de pas bouger, je me suis dit ça va passer en fait non. Bon. Par contre j'ai pas du tout compris à quoi servait le levier. Ça veut dire qu'ils ont décidé de lancer la création d'outils avec la deadline des devs. Là ils ont probablement. Oui mais c'est exactement ça qui est problématique, c'est que là ils ont rien. C'est ça qui est pas normal. Et dans le mail, ils te disent « Oui, mais vous avez un automode que vous pouvez régler par-ci, 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 enfin, de telle façon. » Sauf que c'est déjà le cas pour te... C'est déjà, on les utilise déjà, enfin, tout le monde. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. Après, ils te disent « Mais vous avez qu'à restreindre encore plus le chat. » Mais c'est déjà le cas pour certaines chaînes. Ça ne fonctionne pas quand même. Donc, voilà. Oh punaise, il y a une... Il y a les grenades là-haut. Bon là, j'ai pas mal d'esclaves à libérer. Punaise. À quoi ça sert? Ah, c'est bon, j'ai compris. Pas passé loin. Bon. Bah je les enlève. Sérieusement, quoi.
comment est-ce que la personne fait pour capter ça? Parce que la personne, enfin, ces personnes-là ne sont même pas sur le chat, quoi. Sérieux. Ban de certains mots, c'est déjà le cas, Eleonora. Comment est-ce que c'est possible, quoi? Sérieusement. Alors, là, c'est pas démocrate, c'est trois fois ça. 1, 2, 3. Et ensuite, c'est ça. Ce sont des attaques random qui visent des chaînes en live. Il n'y a pas de logique, ce sont des attaques de ma... Ouais, mais là, quand même, je viens de réactiver les alertes. Dans la minute, il y a eu deux nouveaux trucs. Donc je redésactive les alertes. J'ai du mal tout de même avec l'extension de mots, le mode follower ça va être pas... Le mode follower si ça je pense. Et encore. Ouais. Mais les mots après ça dépend des chaînes. Ici en termes de mots bannis, c'est la plupart des insultes, en gros. Et des choses relatives à la discrimination très importantes. Mais attendez, je m'embête, je crois. Ils ont fait quoi les bots? C'est du spam follow bot en fait. C'est du spam de follow sans interruption. En gros, c'est ça. Non, allez, les viandes là, ça suffit. C'est pour ça que j'ai redésactivé les alertes. Je suis d'accord avec toi, Imra. Ah, mais attendez, attendez, attendez. Et non, j'ai pas le droit. Donc, il faut absolument que... Est-ce qu'il se rendort ou pas? C'est très bien qu'il se rendorme. Ça te fait plein de follow, c'est cool. Non, c'est pas cool justement parce que ça pourrit les stats Twitch et que Twitch, quand ils envoient leur robot nettoyeur... Eh bien en fait, ils enlèvent même les vrais follow ensuite. C'est déjà arrivé, c'était le cas il y a quelques jours. Il y a une jeune demoiselle, enfin une jeune demoiselle, pardon. Il y a une demoiselle qui streamait, c'était quelqu'un qui avait quelques centaines de followers. C'est quand le bot de nettoyage Twitch est venu retirer les follow bots parce que c'était pas forcément fait. Ben Twitch, ils ont tout clean d'un coup. Alors c'était certes un accident, mais ils ont quand même tout clean. Et du coup, elle a dû repartir de zéro. Et de toute façon, enfin, les follow bots, ils restent follow pas longtemps, donc autant les dégager. Hein. C'est hyper dangereux, c'est quoi. Donc, Ouais, c'est ça, et moi. Bon, il s'est rendormi, du coup je vais essayer de faire quelque chose.
C'est bon, ça c'est fait. Alors, maintenant que lui il est clean, le cercle d'oiseaux il était où? En vrai. Mais il y a des mines là! Le cercle d'oiseaux il est là. Ok, salut, toi qui es avec moi. Voilà. Ah, punaise, d'accord, ok. J'ai compris. Allez, on refait une sauvegarde rapide. Parce que doué comme je suis. Voilà. Maintenant, on va re-récupérer les grenades. Il m'en faut plusieurs. Alors, non. Non. Je vous lis en même temps. Je crois que sur ce chat là, c'est les mails vérifiés, il me semble. Le délai, je sais plus. Peut-être, il y a peut-être un délai en plus. Bon, comment je vais casser ces machines là? En vrai. Oh punaise, d'accord, ok. On est toujours à 48, c'est bon. J'y tue pas. Okay. Mais lui, comment je le tue? Alors attendez, fini. Ça suffit pas. Punaise. Ah mais je vais m'amuser avec lui là-haut là. Je comprends pas pourquoi il me les fait un par un et pourquoi il me les prend pas tous comme au tout début du jeu. C'est bon, j'ai compris pourquoi. Mais j'ai pas besoin de tuer ça en fait. Attendez, pourquoi je m'embête? Un pouvoir de la mort qui tue, parfait. Bon, maintenant comment on sort? Sauver 62, il en reste 189.
Il y a une plateforme là-haut là, attendez. Ah d'accord. Non. Ben. L'ascenseur c'est pour aller en haut, non? Ah non. C'est pour aller en bas. Est-ce que je récupère des grenades quand même au cas où? J'en avais déjà 5. Eh ben on fera avec. Allez. En touchant R rapidement, tu peux lâcher des capsules encore plus quand tu cours plus rapide qu'en s'appliquant à viser. Ah bah ça tombe bien, je sais pas viser. Bon, une porte de fête. Je vous lis en même temps. Hein. Merci pour le sauvetage, c'est gentil. Les slogs affamés mordent même la main qui les nourrit. Alors fais en sorte qu'elle soit équipée d'une arme chargée. Ça va être le chien, chien. C'est pas une plateforme au-dessus, du coup faut courir. Pour appeler quelqu'un. Mais si, il y avait une plateforme là. Violence animale. Oui, mais j'ai pas le choix. Ça me fait pas plaisir. Mais... This is the game. Oh punaise! Alors attendez. Pourquoi il n'y a pas Zoulag 1? Ok, ça d'accord. J'ai raté. Pourquoi j'ai pas accès au plan de Zoulag 1 en fait? 3 et 4, je comprends, j'ai pas encore mis les pieds, mais pourquoi j'ai pas accès au 1? Je suis censé en venir du 1 là. Bon, bref. Ça, c'est l'emplacement de mes camarades. Il y
Il y a des trucs rouges. Des accès, comme ça, ok. Bon, vous retenez pour moi. Comment une espèce capable de prendre possession des corps et d'une autre espèce est capable de faire exploser leur corps par la pensée a réussi à se faire réduire en esclavage? C'est une bonne question. Il y a un truc dans le lore là-dessus, je ne sais pas du tout. Là, je n'ai aucune réponse à ça. Alors, je m'attendais pas à ce qu'ils répondent quand je disais hello en fait. Je savais pas qu'il y avait une interaction entre les PNJ, enfin, ces trucs-là et moi. Ah d'accord, donc soit d'un côté comme de l'autre ça fonctionne pas. C'était quand ma dernière save? Ouais, je suis donc complètement d'accord. Je t'avoue que je m'étais pas posé la question en fait. Allez, viens là. Abe décéda 3 semaines plus tard à cause de l'inhalation, de gaz toxique. Oui, c'est plus de la vapeur en vrai. Alors, on se baisse, on se met ici et on s'arrête là pour faire la sauvegarde rapide. Voilà. Tac. Grenade. Il y a des chiens, punaise. Pas comment faire là, je peux pas le contrôler. Il y a le truc qui va me faire mal, il y a les chiens qui vont m'embêter. Ils ont juste été attaqués en masse, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Ouais. De la valeur brune, je me méfierai. C'est quoi la valeur brune?
peut-être oui, si derrière une nature spécifique, c'est sûr. Par contre, là, je me retrouve embêté parce que je ne sais pas comment éliminer ça. Vapeur. Ah, de la vapeur, oui, pardon. Bon, je les ai eus. Je pense que là, je viens de m'handicaper en vrai. J'ai eu le robot. Mais les chiens, ils se foutent complètement des cailloux en fait. Qui est mort. Ah voilà, c'est bon. Allez, à nous. J'espère que j'ai pas tué un camarade en vrai. J'ai un petit doute. Allez, on se calme, j'ai dit bien. Avant que eux me rejoignent. Mais comment ils vont passer en dessous en fait? Ah non, ils vont pas, ils ont pas besoin de passer. Ok. On se baisse. On va là. On va ici. On va appuyer sur plus. On fait la sauvegarde rapide. On vient là. On se baisse. On fait ça. Non, on fait pas ça. On fait ça. Voilà. YOLO! Ah, pas raté. YOLO! Ensuite, on va là, on se baisse, on fait la roulade, on roule dans le vide. Non, c'est pas ça la chanson. Pourquoi j'ai récupéré ça? Bonjour everyone, follow me. Hop là. Je voudrais voir les oiseaux par contre, parce que là du coup je les vois pas. Voilà. Ah génial, il me donne plein de choses sympas, c'est trop bien. On est d'accord, j'ai pas besoin de passer par là, y a rien. Je ne vais pas dans la niche des chiens. Le portail, il est ouvert. Enfin, le portail, la porte. Aïe. Attendez. Non, c'est bon. Je me mets en boule. Victime 48, c'est bon. Le chiffre n'a pas augmenté, ça va, il va dès 67. C'est pas mal. On se casse. Les slugs affamés mordent. Bah, on l'a lu tout à l'heure, ça. Le garde, une fois qu'il se rapproche, n'est pas assez prêt pour prendre le contrôle. Non, il y avait le truc. Si tu veux le détruire, le robot, c'est good. Faut juste garder l'arme et la grenade à main. Patati patata. Je vous ai même pas lu, en fait. Le rebond de la grenade? Si, quand même. Je sais le résultat. Vitige 48, il dit ça. Non, c'est pas, non, ça va pas, mais disons que je n'en ai pas augmenté, fait plus. C'est que là, pour le moment, le nombre de victimes, je ne peux pas le changer. Je peux pas le réduire. Ils sont morts. Voilà, c'est... En même temps, c'est difficile d'être autre chose. Bref, l'idée, c'est que le nombre de victimes n'augmente pas plus. Voilà. Alors, il me reste une porte. Et après, j'irai à Zoulag. Zoulag 3. Par contre, Zoulag 1, ça m'embête, quoi. Il y a plein de choses qui vont pas, quoi. C'était quoi ça déjà? Ah oui, c'est là d'où je viens. Zoulag 1, j'ai oublié tellement de choses. Attention, les détecteurs de mouvement peuvent rompre l'énergie mystique. Si tu en déclenches un, tu perds le pouvoir de Shrikul en un clin d'œil.
Dommage collatéraux. Ouais, ça me fait mal. Dommage collatéral accélère. Mais non, non, je suis pas d'accord. Il y a des amis là-haut. Ok. Donc là, je me retrouve ici. D'accord. Il y a des amis ici. Il y a un truc rouge là-haut, là. Ah, mais les machins rouges, c'est peut-être les détecteurs, en fait. J'ai 15 employés à sauver ici. Ok. 15, dont 2 ici. 3 ici, il y en a en bas. Il a tué? Il a tué! J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Bon, ça, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, là, ça, on l'a vu. Voilà, maintenant on attend. J'ai besoin de le contrôler là. Mais il est loin. Il est très loin. Je passe à la collection Amiibo délicieux. C'est quoi ça, Amiibo délicieux, imagine? Il est trop loin, quoi. Non, saute! Voilà. Arrêtez de parler, les esclaves, j'entends pas. Trop vite. Ok. Mais si je tire mes copains là en fait. Je me suis fait insulter, je crois. Pardon, mais moi ça me fait rire. Voilà, ça c'est fait. Allez, y a plus personne.
Voilà. Alors. Ok. Alors par contre, il y a ce levier là. Voilà. Ça c'est fait. Hop là. Allez, sauvegarde rapide. Le massacre. Le bidule est trop fort, il arrive à tuer un devant un train. Oui. On a perdu Jake. Un petit peu. Moi ça c'est ça. Voilà, ça me faisait rigoler. Le checkpoint. Donc là il y a une porte. Il y a. Je sais pas si j'ai tué un camarade ou pas là. En vrai. Un ennemi sûr. La grenade, mon dieu. Un ennemi sûr, mais un camarade, j'ai un doute. Donc dans le doute, on va vérifier. Pardon. Désolé. Victime 48. Non, c'est bon, ils sont tous en vie. J'ajoute un clip, mais attends, il faut s'inquiéter pas pour les clips. On va faire quelque chose. Oh là là! Mais regardez-moi comment il fait les bruits et les mandibules, quoi. Mais c'est juste magique en fait. Bon, allez. Ma sortie à moi, elle est où du coup? Salle de détente des employés. Non, j'ai pas rentré dedans. Hein. Je reviens en arrière. What? Can't figure it out. Attendez, il y a écrit un truc en bas. Obtient le pouvoir du Shricule en sauvant le nombre de Mudokons affichés sur les portails d'oiseaux. Ah, d'accord. Exerce ton envoûtement pour déchaîner Shricule sur tes adversaires. Mais tout à l'heure, il y avait un truc rumeur fausse, je sais pas quoi, je voulais savoir ce que c'était. Ah, voilà. Les rumeurs sur Shricule sont fausses. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais, mais c'est quoi les rumeurs de Shricule en fait? Libérer les esclaves par les portails d'oiseaux, relâche des oiseaux qui soignent, aide tes copains Mudokons et ils t'aideront aussi. À mes souhaits, c'est gentil. Allez, on passe à Zoulag 3. D'autres Mudokons attendent, leur vie est en grand danger. Sauve-les vite ou ils passeront à la casserole, ce qui est le cas des deux premières zones. Les deux premières zones, mais je m'en veux tellement de pas avoir compris le truc. C'est... ça me...
Enfin, déjà, les deux premières zones, ça me fait mal, mais les premières secondes du jeu, juste un levier, j'appuie dessus, le premier copain meurt. Voilà. C'était la première action du jeu. À partir de ce moment-là, le 100% était mort. Donc, bon, allez. Ça te met direct dans l'ambiance. Ouais, mais c'est chiant, quoi. C'est frustrant. Je comprends pourquoi ça a été fait comme ça. Objectivement. Mais subjectivement, ça me fait mal. Zoulag 3. La sécurité s'affole, les défenses sont en alerte, les Sligs se rassemblent en horde et ils sont bien armés. J'ai pas mis de... Hop hop hop, on se calme, laissez-moi respirer. Je vais mourir de suite, voilà. C'est... Donc plateforme directe à droite. On a quelqu'un qui dort à droite. On a un robot, il va nous falloir de la grenade. J'ai toujours mes grenades d'ailleurs. Non, c'est redevenu des cailloux. On a un levier. On a un chien, on a quelqu'un à droite avec un fusil, une mitrailleuse si vous voulez. Et on a un plan. Ah d'accord, ça a été fait comme ça. Bon, je suis où? Ok, je suis là-dedans. Il y a combien de zones ici? Il y a 5 zones. Il y a 5 zones dans Zoulag 3. Il y a 36 employés en poste. Ouais, c'est ça. Il reste... 36 employés en poste. On est dans ce petit machin là. Je n'ai pas d'autre choix que de monter après sur la gauche. Il faut que j'aille à gauche en fait. Est-ce que j'ai le droit de prendre le contrôle de celui qui est là-bas? Ça m'arrangerait. J'ai le droit. Nickel. Mais j'en fais quoi maintenant? Parce que c'est bien gentil, mais là, je peux pas y accéder. Donc, ça veut dire que le levier là-bas va éteindre les éclairs d'ici, ce levier-là. Sauf que... Il y a un petit peu un méchant, donc ça va vouloir dire qu'il va falloir être très très rapide. Donc lui il me sert à rien, à part tuer le chien. Voilà. Ok, donc en gros quand c'est moi qui marche ça réveille le mec, mais par contre quand c'est un fusil qui fait énormément de bruit ça réveille personne. Bien sûr, bien sûr. J'aurais dû graisser les leviers. Oui. Ouais, c'est ça, hein, c'est le levier. Hein. Et l'autre qui m'insulte en feulant comme un chat, quoi.
Non, attends, je sais plus. Je sais. Non, je vais pas y arriver. Allez. Message à l'huile de Mudokon fraîchement pressé. Vous voulez un smoothie? C'est plutôt un bruit semi-mécanique qu'ils font. Oui, bah écoute, essaye de faire un bruit semi-mécanique avec la bouche, hein. Alors là, faut m'expliquer ce qui s'est passé. Là, j'ai pas compris. Je suis un demi-bot, il paraît. C'est vrai. Donc tu peux le faire. Il y a un truc qui cloche. Bon, alors, Zulok 3. D'ailleurs, dans les zones secrètes au pop-up, j'y pense. Zulag 1. Oh, punaise. Il y en avait 73 à sauver. Il y avait 5 zones secrètes, mais j'ai raté plein de choses, en fait. Zulag 2, 29, je les ai eues. Zulag 3, 36, et il n'y a pas de zone secrète. Mais il y a 36 personnes. Bon, bref, c'est pas ça que je voulais voir à la base. On est Zulag 3. Zulag 3. C'est le 2. Putain, les pop-up. On va y arriver. Ouais, Zulag 1, c'était super grand, quoi. J'ai tout raté à Zulag 1. J'ai vraiment tout raté. Zulag 2 encore. J'arrive, hein, je suis à vous dans un instant. Zulag 3. Il y a 3 zones. Alors, l'avant-dernière partie de zone, dès votre arrivée, partez sur la gauche directement. À chaque fois, c'est écrit à l'envers, c'est chiant. Partez sur la gauche, puis sautez directement sur votre droite afin d'attirer les sigles dont vous pourrez ensuite prendre possession. Bon, ça c'était fait. Une fois envoûté, demandez au sigle d'attaquer les sigles en train de dormir tout à droite de l'écran, puis reprenez le contrôle d'app. Demandez. Je confonds ce que c'est un slug et un sigle à force. Hein. Une fois envoûté, demandez au sigle d'attaquer. Oui, ok, le sigle c'est ce que je peux contrôler. Donc le sigle attaque le chien. Oh punaise, non, c'est le... Oh, je viens de comprendre, c'est le Slig que je contrôle et je peux donner des ordres au chien pour attaquer à droite. Oh punaise, mais je le savais pas ça. On peut faire ça depuis le début? D'accord, je suis en train de découvrir le jeu. Pardon, ça fait je sais pas combien d'heures de jeu. Donc en gros, ce que je viens de faire là avec la sauvegarde, ça sert à rien, donc faut que je recommence la zone. Allez, c'est parti. Ah... Allez, vas-y, réveille-toi. Toi qui inverse gauche et droite, c'est pas nouveau. Hein.
Donc, toi tu vas là. Hop là. Il va venir, oui. Allez. Allez, approche-toi. Voilà, c'est bon. Ok. Alors attendez, ça c'est... Pourquoi je le vois pas? Pourquoi je peux pas le voir? C'est bon, il est mort? Oui, il est mort. Je pense que oui. C'est bien, t'as été un gentil chien. Je te retiens. Tu veux une friandise? Voilà. Hop là. Ça c'est une mécanique, je savais pas, donc si jamais on sait pas la mécanique, comment on peut le savoir quoi. Tac. Kevin, faut arrêter de lancer des cailloux. Dès que tu lances, il s'arrête pour parler. Oui, c'est vrai. Allez. Tac. On se reprend. Et voici les portes. Ben, on va commencer par celle du bas. Les esclaves Mudokon apprennent à obéir à coups de matraque. Alors quand un Slig hurle plus un geste, le Mudokon présent, prudent, se met aux abris. Il y aurait quand même des choses à redire sur ce jeu concernant le traitement des animaux. Mais je suis complètement d'accord en fait. Et le truc, c'est que c'est fait exprès, que c'est volontaire de la part du créateur pour justement dénoncer tout ça. Et c'est pas des blagues. C'est quoi que j'ai, des cailloux? Donc là, il y a des gentils avec moi. J'ai un robot là-haut qui va m'embêter. Allez, go. Si je prends ce levier là, il tombe. Donc je n'appuie pas sur le levier. C'est pas parce qu'il y a un levier qu'il faut appuyer. Là ils peuvent pas passer. Punaise! Bon bah vas-y, tue-moi, t'as tué un camarade. Donc vas-y, insultez-moi là. J'avais pas vu qu'il était parti, je croyais qu'il était sorti par la porte. Alors, nous avons le portail de sortie des Mudokon ici. Moi j'ai une porte là, c'est bizarre d'ailleurs. Il y a trois gens ici, je crois que c'est là-haut. Donc là je peux faire ça. Et d'un. Raté. Non. 48, c'est bon, ça va. Ouf, 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 ouf. Ensuite. C'est bon. Je vérifie qu'il n'y a pas de chien là-haut, non. Ok. Allez. On roule, roule, roule dans le vide. Alors là, il y a plein de gens. Là aussi. Oh,
Pourquoi je suis monté en fait, j'avais pas besoin de monter. Tac. Everybody. Hello. Hey there. Hello. Follow me. Okay. Oh punaise, ça va être dur. Attendez. Wait here. Right. Voilà. Follow me. Okay. C'est bon, ils suivent tous. Et voilà. Il n'y a rien oublié, c'est bon. Allez. Non, ça sert à rien de péter ce qu'il y a là-haut. On prend la porte. C'est bizarre d'appuyer sur un levier, d'habitude on le tire. C'est un levier un peu vraiment comme les anciens leviers SNCF où t'as la poignée, puis t'as un truc à appuyer là comme ça quand même. S'il y avait une paire, c'était hors caméra, pas vu, pas pris. Mais oui, bien sûr. J'ai fini. D'accord. T'as fini quoi? Ah oui, les amiibo. Alors. Bah c'est tout rectangle. Ok. Alors, dans le doute. Voilà, on prend des grenades. Prix total des amiibo estimé d'occasion. 7206€. Mon dieu. Allez, un à moins. Le truc, c'est que là... Non! Ah. Voilà. Est-ce que le robot est passé? Non. Voilà. Et là, le robot est bon. Alors, est-ce que j'ouvre déjà la porte ou pas? On va d'abord tâter le terrain. Alors attendez, dans le doute. Voilà. Non! Bon, il y a un camarade qui est mort de toute façon. Donc, j'aurais peut-être dû en envoûter hein, en vrai. J'ai pas pris les grenades, imbécile. Et le robot peut-être, non? Ah, j'ai plus de grenades maintenant, génial. Comment j'ai fait? Voilà. Mais là, j'ai peur... Voilà, voilà. Punaise, je le savais. Il faut que j'en garde un. Il faut que j'en garde un. Donc, on va pas s'emmerder, hein. Pardon, désolé. On se met là. Voilà. Maintenant, je vais chercher la grenade.
Attendez, et non. Et non, il me reste encore un machin comme ça, mais lui, il faut que je le conserve. Donc, j'ai pas envie de le tuer. Donc, je suis obligé de m'enlever le pouvoir. C'est bon? Voilà. Allez. Épilepsie sur 20. Voilà. Maintenant, toi, je peux te contrôler comme j'ai envie. Il y a un chien. Punaise, il y a un chien. Pardon. Allez, c'est bon, il n'y a plus de chien. Et il n'y a plus d'ennemis non plus. Allez. Non, mes camarades! Ah, punaise! Allez, vas-y, tue-moi! Je crois que j'ai une sauvegarde rapide, je sais même plus à force. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout en fait. Attends. Ouais, voilà, il y en a un là. Sauf qu'il faut que je le conserve. Donc, on va virer ce fichu pouvoir. Tac, on prend les grenades au passage, c'est gratuit. Hein. Voilà. C'est bon? Il m'en reste encore un? Voilà. Allez. Le chien s'est fait. C'est quoi? En fait, ça me permet de désactiver certaines grenades, certaines mines que je pourrais pas désactiver d'une autre manière. Sauf que vu que c'est la même combinaison pour l'envoûtement et pour utiliser ce pouvoir, c'est soit je les tue, soit je les envoûte. Et des fois, j'ai juste besoin de les envoûter et surtout pas les tuer. Punaise, mais arrêtez! Bon, visitons tant qu'à faire. Il y en a encore un là. Ok. Donc il reste encore un mec là-bas au fond.
Oui, bien sûr, mais oui. Respectivement dans l'or, oui, tout à fait, c'est moi qui tape. Voilà. Bon. Il est mort ou pas? Bon, alors ce que je vais faire, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Parce que là, en fait, c'est juste moi qui suis têtu de faire la même chose et ça fonctionne pas comme je voudrais. Par contre, je comprends pas pourquoi ils nous ont donné le pouvoir avant pour après les activer. Oui, non, mais j'assume complètement. Hein. Non, non, je fais pas exprès. Hein. Oh, le pauvre! Il a pris un coup pour rien, là. Putain, ils sont partis à Pétaouf-Nof. J'avais presque un truc. Mais ils sont en plein milieu, les camarades aussi. Qu'est-ce que je fasse? C'est celui droite qui me pose problème en vrai. C'est vraiment celui droite, hein. Tu l'es au cac. J'ai bien peur qu'il y ait des dommages collatéraux là. Punaise! C'est moi qui me suis fait tuer, quoi. Ce que je vais faire. Parce qu'en fait, l'histoire du pouvoir, c'est chiant. Excusez-moi. Hop là. Grimpe. Voilà. On va peut-être pas l'enlever là. Je
crois qu'il est mort en bas. Non, il est pas mort ça. Hop là. Et là, la sauvegarde rapide, elle est là. Voilà. Comme ça, au moins, c'est, on arrête de l'enlever parce que les flashs à l'écran, c'est vraiment désagréable. Allez. Alors, chien. Voilà. Ne peut doucement les éclairs. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, 1, 2, 3. Voilà. Sur le truc quoi. Faut qu'il bouge. Bouge. Voilà, c'est bon. Allez, la petite grillade. Il y a plus de grillade, parfait. Voilà. Décline. Maintenant. Je viens chercher Abe. Allez. Bisous. Nickel. C'est dégueulasse, mais nickel quand même. Allez, tac. Sauvegarde rapide. Hop là. Voilà. Pas de pouvoir, allez on s'en va. Zone suivante. Du coup c'était quelle porte? Il n'y avait pas de porte là-bas, on est d'accord. C'est juste celle là qui s'est réouverte. Ouais voilà. Ah bah tel bot il est de retour tiens. Tant pis. Alors. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Attendez. Attendez. Là, c'est là d'où je viens. On est d'accord. Ça me donne des grenades que dont normalement je n'ai pas eu besoin ici. Je suis débrouillé autrement. Je les prends quand même au cas où. Voilà. J'ai plein de grenades. Au passage, elles sont sur l'écran. Là, il y a une porte. Là, il y a ça, mais je m'en fiche. Il n'y a pas d'autre porte. Donc je suis obligé de retourner en arrière. Voilà. C'est quoi la raison qui a poussé Abe dans le lore à se rebeller? C'est la première cinématique en fait. C'est la toute première cinématique qui a, il a aperçu les patrons du CAC. J'exagère. Il a aperçu les patrons du CAC 40. C'est-à-dire, bon, l'entreprise. Ça va pas trop. Ce qu'on donne à mon, ce qu'on produit en matière alimentaire, ça s'effondre. Du coup, on va sortir un nouveau produit hyper moderne et tout, et ça va être à la base de la viande de nos propres employés. En gros, je l'ai fait comme ça. Sauf que Abe, il a vu ça, il a tout compris, et du coup, il s'est échappé. Il a fait en sorte de s'échapper. Voilà. Donc, en gros, les méchants ici, c'est la finance. C'est les multinationales, c'est le CAC 40. Les trains qui mènent aux autres Zoulags sont contrôlés par des verrous de sécurité. Trouve tous les leviers pour accéder à la gare suivante. Génial. Alors,
Gauche ou droite? Gauche ou droite? Et après, la suite dépend de celui qui pilote Abe. Oui, bien sûr. Gauche ou droite? Dites-moi. Punaise, j'ai un reste de café froid, ça fait 3 heures. Gauche. Personne d'autre? Commence à droite, tu vas finir à gauche. Allez. Direction droite. Pas besoin de lancer tes grenades à vis... Oui, bon, on l'a déjà vu, ça. Centre. Alors, on a un portail là. On a un levier juste en bas. Un levier qui a l'air d'être... Punaise, toujours plus d'effets lumineux. Non ! Ah ! Ah ! Une plateforme au milieu. On va recommencer, hein? Le rebond de la mort. Alors, je descends. C'est là-haut. La rapidité d'un homme. Hop là! Donc là, je ne peux pas envoûter. Je ne peux pas lancer de grenade. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Hop là! 50! Il a tué mes camarades! Agressif le corbeau là-bas. Si tu peux jouer bien, tu peux grenade le robot. C'est raté pour le moment. On va exagérer là. Pardon, mais pourquoi ça tourne pas ça? J'ai passé la grille rouge là, donc allô? Il a tué, mais... Voilà. Sérieux? D'accord, j'ai compris. Là, j'ai moins compris par contre, parce que j'ai sauté. Hop là. Pas hop là du tout. Cours. Cours, Forest. Ok, là on est bon. Donc là, je m'arrête là. Je fais la petite sauvegarde. Bon. Alors c'était ce qu'il fallait faire, mais pas sur moi en fait. Bon, j'ai tué un camarade, ça me va pas. Les 48 premières victimes viennent d'où?
les deux premières zones parce que j'ai pas compris comment le jeu fonctionnait. Donc bon, il y a la première victime, c'est parce que c'est la première seconde du jeu, j'ai appuyé sur le levier et il fallait pas. Voilà. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas, je n'avais pas compris le système du jeu, je connaissais pas le système de sauvegarde rapide. Disons que j'ai compris le jeu au bout de 5 ou 6 heures de jeu, je pense. Donc, je sais que je peux rien faire pour changer la donne des premières victimes. Mais par contre, toutes les autres, on va les sauver. Genre pas comme ça, quoi. Si tu quittes certaines zones avant... Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui est arrivé sur les deux premières zones. En fait. Sachant que la zone 1, il y avait clairement écrit le panneau... comme quoi, si je quittais la zone, les Mudokons seraient exécutés. C'était écrit, je l'ai vu, je l'ai même lu. Et j'ai pas tilt. J'ai pas tilt. Et la deuxième zone, en fait, il y avait énormément de secrets et de cercles à faire apparaître. J'ai fait apparaître les cercles, mais j'ai jamais eu le déclic de sauter dans les cercles, en fait, pour aller dedans, pour sauver les camarades. Pour moi, c'est, je savais pas. Je ne savais pas du tout et j'ai pas eu ce réflexe-là et j'aurais dû l'avoir. Du coup, dans toute la zone 2, j'ai vu quasiment tous les cercles, mais j'ai jamais sauté dedans et j'aurais dû. Voilà. Pourquoi tu la jettes au cac? Mets tout. Alors, mets, c'est pas comme ça. Mets-toi loin et vise bien et attends pas le bip bip. Raté. Non, c'est bon, c'est toujours 48, ça va, j'ai encore des chances. Il y avait un truc que j'ai fait tout à l'heure qui était pas mal. Ah oui, cette réaction en chaîne. Ça s'appelle un combo, ça. J'ai réussi. Hop, 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 hop. Il en reste une. Punaise, il en reste une. Assez près. Ah
ça mériterait un au fait. Oui, complètement. Combo. Alors attendez, parce que là je comprends pas. Il en reste une, hein. Et là du coup il reste la deuxième, celle la pas bonne. Ça, ça fonctionne pas non plus. Je vais descendre, je vais poursuivre l'aventure. Alors, c'était pas dans ce sens-là dans lequel je le pensais. Arrête avec tes bruits, toi. Tu peux les faire que quand je te contrôle. En prenant le contrôle de l'ennemi, il n'y a pas moyen de faire exploser une mine en tirant dessus. La réponse est non. Non. J'ai tué un camarade. Enfin, de toute façon, ça résout pas le problème des deux mini ici. Problème résolu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Problème résolu. D'accord. Allez. Le Abe, il s'est cru dans Ninja Warrior, quoi. Presque ça. Ouais, oui, c'est ça, Eleanor. Ah, ben, oui, mais c'est ça. Non, par contre, tu vois, je pensais un peu plus tôt dans la soirée ce que ça donnerait en speedrun, parce que les contrôles sont quand même très nuls. Enfin, pas nul, mais incontrôlable. J'ai plus de grenades. Mais attendez, mais je suis con. Je suis nul en fait, pardon, mais... J'ai peut-être pas besoin de ça. Enfin si, en vrai. Legit,
de manière legit, il faudrait que je l'ai, que je, ouais, enfin, vous m'avez compris. Sinon, je pourrais tenter l'éloigner, appuyer sur le levier et après partir en scred, en vrai. Bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais aller au rebond, tant pis. Non, pas comme ça. En fait, l'histoire de l'ennemi qui dort et le levier, qui dort ou qui dort pas, c'est la même chose. Salut Torval. Ça a fonctionné, sauf que je me suis fait éjecter. Mais c'était l'idée. Il y a du mieux. Il y a déjà un peu de mieux. Arrête de te foutre de moi, espèce de créature. Non mais, toujours plus long le truc. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Allez. Alors, je sais pas ce qui m'attend là-haut. Bon, bah écoutez, zone terminée. Tu as bien l'ami, ça va et toi? Ça va, tranquillement. La plateforme de gauche est limite au même niveau que le drone, mais toi dessus, fais-le. Ah, trop tard. Trop tard, c'est fait. Allez, une dernière porte dans Zulag 3. Plus tu sauveras de Mudokon, plus tu pourras déclencher un pouvoir puissant. Un puissant pouvoir de Shrikul. Alors, je vais tenter quelque chose, attention. C'était pas ça. Ah mais... Alors, au milieu, là, il y a un ascenseur. Hein. Il y a des cordages, c'est un ascenseur. C'est bon, personne est mort. Ok, c'est bon. Donc là, il y a Directory. Là, il y a des bombes. Là, là-haut, il y a un truc anti-envoûtement. Là, j'ai des camarades. Et j'ai... une bébête. En gros, l'idée, ça va être de tracer...
de sauter en haut, d'aller le plus à droite possible pour envoûter la créature. Sachant que je ne sais pas ce qu'il y a ensuite. Ah bah let's go. Ah! Il y a des éclairs, je vais éviter de tomber dedans. On va pas appuyer sur directory de suite. On va éviter. Par contre, attendez. Si je me mets là. Eh punaise, il y a une machine là-haut aussi. C'est dégueulasse! Voilà, ça c'est fait. Ensuite, maintenant, elle, enfin lui. Ok. Ok. Il y a une mine. Wow, le monde qu'il y a. Là, j'ai désactivé ça, d'accord. Mais j'espère qu'il y a d'autres cercles d'oiseaux parce que je pourrais jamais ramener mes camarades là-haut. Là, là, il y a une mine que je vais pas toucher pour le moment. Non, je vais pas la toucher. Parce que je peux l'activer qu'avec Abe, en fait. Il y a des leviers là. Et eux, où est-ce que je vais les amener, ceux-là, en fait? Comment voulez-vous que... L'ascenseur. D'accord. On monte sur l'ascenseur. Il y a encore un truc sur la droite. Et il y a un ennemi sur la droite. Et une bébête sur la droite. Je suis en train de me demander quand même si ce serait pas intéressant d'aller voir le directeur, d'appeler le directeur. Mais bon. Alors attendez, avant ça. Sauvegarde rapide. Voilà. Ça c'est fait, je récupère des grenades, c'est génial. Re-sauvegarde rapide, j'adore ça. Maintenant, je me positionne par là, directory. On court, on trace. Non c'est bon, ça va, c'est le plan. Alors. Donc la gauche, la partie gauche, je l'avais vue. La partie droite, je ne l'ai pas vue. Il y a 14 employés au total. 14, que vous dites-vous? Tu as pu reprendre depuis la dernière sève d'hier soir? Non, 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 j'ai refait la zone perdue, j'ai dû la refaire en entier. Mais au lieu de la faire en 3 heures, je l'ai fait en un peu moins d'une heure et demie, je crois. Non, je voulais pas l'utiliser, je voulais le garder. Bon, de toute manière, je suis obligé de revenir là. Donc. À quoi sert ce levier? À quoi sert ce levier? Et ce levier, on sait pas. Ah, ça doit être l'appel de l'ascenseur. C'est l'appel de l'ascenseur. Hey everyone, follow me. J'espère que vous avez compté les gens parce que j'ai dit follow me. Hein. Ils sont pas tous sur l'ascenseur, c'est bon. Allez. Ok, là j'en ai un. J'ai un pouvoir.
J'ai pas du tout compté combien j'avais sauvé de gens. Ça, je touche pas, ça. C'est une mine. Une mine! Allez, follow me. Non, attendez, non, parce qu'il y a encore. Attendez, là, il y a encore les lasers de l'autre côté en fait. Oh, sérieux? Le laser, je ne le touche pas. Oh punaise, l'ascenseur! Voilà. Tant qu'à faire, hein. Hop là. Voilà. On remonte. On va chercher les autres. Teste un peu ce fait, mais soit. Alors maintenant on revient là, je vérifie quelque chose ici. Il reste 5. Ok, donc ils sont tout à droite. On revient ici, on redescend. Oui, cette mine, elle est passée où la mine d'ailleurs? Ah, j'ai dû la faire péter. Ok, on s'approche ici. Stop, on s'arrête là. On s'arrête là, on fait une save rapide. Et maintenant, on se reconstruit. Un, deux maintenant.
Mais il est censé sauter, pourquoi il saute pas? Je vais quand même pas faire le grand tour. Il peut pas sauter quand il a le pouvoir, c'est ça? Dès qu'il a le pouvoir, il a plus le droit de sauter. Bah non, il s'est sauté là. Punaise. Ça a changé le rythme. Voilà. Stop. On re-save rapide. J'ai pas envie de retomber dans le trou. On monte. Je dis on monte. Et on attend. Bien. On est toujours à 48. C'est bon. Donc là, il y a 5 personnes. Et elles sont là. C'est parfait. Everyone. Follow me. Go to the circle. Voilà. Nickel. En point. Sauvegarde rapide. Maintenant, je peux partir de la zone. Ah. Un. 1, 2. Voilà. Quand... Mais il y a le rôti, il lui tombe dessus. J'ai une notif qui me dit que le chat est en unique chat mode et que le message que j'ai envoyé n'est pas unique. C'est que t'as dû sans faire exprès, c'est que t'as dû appuyer deux fois sur entrée et du coup le chat a considéré que t'as voulu envoyer deux fois le même message. Ça c'est un anti-spam en fait, c'est pour éviter que les gens spamment le même message, que ce soit une seule personne ou plusieurs personnes à la suite en fait. Voilà. Mais ça fait partie des réglages de modération ça. Par contre, ouais, des fois ça déconne un peu. Allez, Roti Power. Voilà, quand ça veut. Il y a l'ascenseur ou pas? Oui, il y a l'ascenseur. Allez, nickel. Bonjour l'ascenseur. On repart. Voilà. Ah, je vais être frais moi pour ce matin pour le fitness en fait. Je viens d'y penser. Nickel. Pouf. Dernière zone. Ou peut-être Zoulag suivant. Il ne reste que quelques mudokons. Ils n'étaient plus nombreux. Mène-les au portail de Shrikul et déclenche le règne d'Abbé. D'Aïb. Ouais, on passe à la zone suivante. Du coup, zone suivante. Zone suivante, j'ai deux zones secrètes. 20 camarades à sauver. Donc, zone suivante, on se prépare. Tac. Tac. Pour l'instant, je considère que la zone la plus difficile du jeu, c'était la zone avec les paramites. Je pense. Attendez. Ah, j'aime bien l'avertissement que j'ai sous les yeux, c'est génial. Alors, il y a plusieurs fins possibles, hein, je le redis. Si on sauve tous les camarades, il y a une bonne fin. Si on sauve un peu plus, si on sauve la moitié ou plus des camarades, il y a une fin. Si on sauve moins de la moitié des camarades, il y a une mauvaise fin. Et l'objet, j'essaye d'avoir le, bah, du coup celle du milieu, parce que la toute première, je peux pas la voir. Et la mauvaise fin, on va éviter quand même. Donc, il y a
trois zones importantes dans Gulag 4. Okay. J'en ai 20. 20 et 2 zones secrètes. Okay. Je ne me spoil pas plus. Je commence à avoir faim avec tous ces rôtis. Oh non, moi ça m'a écœuré. Je continue de regarder, mais je vais me poser confortablement dans mon lit. Des bisous, bisous, Imra, repose-toi bien. Je viens d'ici, donc je dois partir de là. Zulag 4, le générateur est très bien gardé, mais c'est là qu'Aib doit aller. S'il le coupe, il va y avoir du spectacle. Donc, il reste 133 employés. Comment c'est possible qu'il en reste autant si j'ai pas... Ah non, c'est le nombre de Mudokon à sauver dans les zones secrètes. Non, en fait, je sais pas. Ça me paraît beaucoup, 133 quand même. Parce que là, techniquement, j'ai 118, et donc je suis à moins de la moitié, c'est qu'il y en a 299. Faut vraiment pas que je me plante. Ah, oh, punaise. On l'a vu sur la gauche. J'ai une porte ici. Je réfléchis. Il y a un levier, je peux pas les contrôler. Il y a une porte bizarre là. Une porte à mouvement. Et il y a un méchant sur la gauche. Bon, de toute façon, je suis obligé d'être là. Et là, je peux pas y aller. Ouais, c'est des cailloux que j'ai. Tout a été réuni. Allez, go. Les esclaves Mudokon apprennent à obéir. Oui, mais on l'a déjà lu ça en fait. Donc bon. Sonner. Non, pas de suite, non. Non, non. D'abord le plan. Rupture Farms. Alors, il y a 5 zones. Ouh, la zone à droite. Ouf. Ouf. J'ai. Non, il n'y en a pas que 20. Il en reste 133. Ils sortent d'où sinon? C'est bizarre. Bon, disons que là j'en ai 20. Ok. Ah, mais il y a un esclave juste là en plus. Je l'avais pas vu, mais on a un camarade juste là quoi. Alors, visite du niveau. On a un méchant ici. Il y a personne d'autre. Allez, tiens. Il y a personne d'autre. Tac, voilà. Il y a un ascenseur. Bonjour. Il y a un méchant ici. D'accord. Il n'y en a plus. Là, il y a du mouvement. D'accord. Il y a un méchant là-bas, mais j'ai peur qu'il soit trop pas assez près du bord, justement. Je sais pas comment l'avoir. C'est moi qui suis passé, les gars. Mince, j'ai tué un camarade. Bon, pour l'instant, je visite le niveau. Il va falloir que je conserve le contrôle sur un méchant, parce qu'il y a le panneau de voix ici. Ensuite, il y en a un là. Là, ça va être l'escape. D'accord. Je vais pas tomber parce que j'ai besoin de remonter de toute façon. Allez, maintenant on remonte. Ça va faire comme une zone de tout à l'heure, ça va prendre du temps. Tac, maintenant on va appeler la direction. Salut. Salut. Donc en gros, c'est un appel 3.
D'accord, ok, allez, on recommence. Ouais, en fait, hop là, j'ai pris beaucoup de dégâts là. Non mais... Nickel, allez, on avance. Mince! Bon, c'est pas grave. Lui, par contre. J'irai le chercher avec l'ascenseur. Ah ouais, en fait, faut tout faire avec. Quasiment tout faire avec l'ennemi, quoi. C'est une blague. C'est même pas moi qui ai tiré, quoi. Allez, on recommence. On jette des petits cailloux. Ouf. En vrai, je pourrais directement faire ça. Si je survis, c'est déjà pas mal. Ok, allez, c'est parti, on va enseigner. Ils se font tous sur le mur. Oui, c'est ça, entre si vous voulez. Allez, on reprend. Ils se prennent des murs sur les gauches. Ok, je peux garder un gars sur moi là ? Voilà, là, normalement il en reste un. Okay, il en restait deux même. Non, c'est pas ça. Voilà. Comment je vais faire pour les éliminer ceux-là? Il y a quelqu'un derrière au fond. Mais il y en a encore trop en fait, c'est ça le truc. Il y en a beaucoup trop. Et lui là, lui, comment je vais faire? Parce qu'il sort pas, il reste sur l'esclave, donc c'est un énorme risque là. Ils sont où les deux là? Faut venir les gars, allez. Ah
Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il est trop proche de l'autre là. Bon, j'ai tenté. Le test est passé. C'était pas volontaire. Il est trop proche. Non, là par contre, il est beaucoup trop proche. Donc, je tente. C'est la première fois que je fais une sauvegarde rapide sur un ennemi. Faut que tu te mettes là en fait. Mets-toi là, ici là. Allez, l'ennemi. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Allez. Maintenant, je peux pas remonter. Il est où l'ascenseur? L'ascenseur, il est là. Donc moi, je peux pas remonter en tant que cet ennemi-là. D'accord. Le portail, il est là d'ailleurs, je pense. Là, il y a des grenades. Ah, attendez. Grenade. D'accord. Donc, grenade, pouvoir péter ça. Donc, prendre le contrôle de lui. Le faire griller à point. Et là-bas, c'est... Oh, bordel, le bordel. Sauf que je sais pas s'il y a des copains là-bas, en fait. C'est ça, le truc. Bon, toi, tu me sers plus à rien. Voilà. Hey! Come on, follow me. J'ai le droit de lui dire de descendre, quoi. Je vais dire oui. Follow me, hein. Voilà. Wait here. Ils vont rester en wait here. Comment je vais descendre, moi, là? Est-ce que j'ai... Attendez. Sauvegarde rapide. Est-ce que je suis capable de tomber, là? Si je fais ça, je dis descends ici. Non. Descends ici. Non. Ah, c'est un vrai mur. Je croyais que je pouvais descendre à... Mince. Bon, comment je vais de... Tac. Pouf. Et je fais comment maintenant? Vu que j'ai traversé la zone et que j'ai plus de grenades. Il disait pas dans les aides de jeu que quand Sig menace un Mudokon, le Mudokon se met à l'abri. C'est pas une indication de... Ah. Ah, c'est pas bête ça. Il y a une touche pour les menacer. Bah, je sais pas vraiment en fait, en vrai. Mais c'est pas bête là comme réflexion en fait, c'est vraiment pas bête. Il y a une mine. Ah, il y en a qu'un qui dort. J'ai besoin des grenades. J'ai besoin des grenades. Ça aurait permis de buter l'ennemi sur la plateforme du dessus. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Parce que pour de vrai, je sais pas comment le gérer celui-là. Je sais pas du tout. Là, même en roulant, je peux pas être hyper rapide. Ok, il y a 3 ennemis. Donc ils sont 3 et la porte de la sortie, elle est là. D'accord. Ok. Mais de toute façon, là j'ai besoin du levier donc. J'ai même pas le temps de se. J'ai rien dit.
Je pense qu'il va falloir que je le refasse. Parce qu'en effet, l'ennemi me pose problème. Donc. Ils ont. C'était gratuit. Hein. C'est rigolo de faire toute une étape, toute une zone juste avec ça. Ouais, non, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et ma sauvegarde rapide va pas faire ce que je veux. Ah punaise, mais c'est vrai que c'est Abe. Bon, on va mourir. Midokan isolé. Réagis pas. Ah. Oh, GG. Merci, Eleanora. Pas grave. Je peux envoûter les autres normalement. Il se sont entretués ou... Il a pas touché l'esclave, on est d'accord. Hein. Mais attendez, mais j'ai besoin de... J'en ai besoin d'un... Il faut que j'en garde un en vie. Voilà, ça c'est fait. Ceux-là au moins ils sont clean. Je pense que je peux save ici. Je ne m'approche pas trop. Là maintenant. Ça se joue à rien. Ok. Oh non! Non, non, non! La machine, elle est cassée! C'est bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais ok. Ok,
Celui-là, il passe. C'est nickel. Donc, lui, là, on est d'accord. Il ne sert plus à rien. Allez, bisous. Maintenant, vous deux, vous venez avec moi. On descend. Mince. Okay. Je confirme que des fois ils mettent les mains sur la tête, donc tu pourras tirer. Oui, ok. Donc c'était juste avant, je ne l'ai pas lu. Désolé. À nous. Allez, il saute. Bon, il a pas sauté. Il n'a pas sauté. Punaise, mais il continue le bot en follow là. Casse bonbon. On va attendre qu'il se rendorme. Rendors-toi, petit. Oups. Ok, maintenant. Saute. C'est bon, je suis en vie. Je suis en vie comme... non, pas comme Grégory de Marchal. Hey, c'est bon, les deux, ils sont éteints. Mais maintenant, je suis en... Ah non, j'ai des grenades, j'ai rien dit. Allez, go la grenade. Je sais... Y a pas de camarades ici, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est bon, allez. J'espère pas qu'il y avait... J'espère pas en vrai qu'il y avait des caméras. Il n'y a plus personne. Allez. Voilà. Et je ne sais plus combien de personnes il reste. Si je repasse par là. Non, c'est bon. Je sais comment faire. Je veux savoir si j'ai tué quelqu'un ou pas. Allez, go. ⁇ 48, c'est bon, tout le monde est en vie. C'est bon, ça va. On peut passer à la suite. Non, descends, j'ai dit. J'ai plus besoin de ça. Tac. Ah là 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 là. Roulez. Il n'y avait pas de zone secrète ici. Donc, on passe à la suite. Les flags affamés, on l'a déjà lu. Il faudrait que tu les réunisses devant la porte. Et au final, j'y réfléchis. Non, il y a des chiens! Où suis-je? En bas. C'est une grande zone rectangulaire. Ok. Il y a 11 personnes à sauver. Il y a une petite plateforme au milieu. Et après, c'est... Oh, le bordel que ça va être. En théorie, non, car je crois qu'ils ne peuvent suivre à travers des tuyaux. Je sais pas... Oh, j'ai voulu bailler, je me fais bouffer par un chien. Quoi. Bon, ils sont 11.
Hop là. J'aurais peut-être dû amorcer quelque chose. Non! Ils ont envie? On va dire que oui. Ah oui, non, par contre, Abe, il est pas en vie. Attendez, parce que j'ai dit 11. Hein. Il y en a deux là-haut. Ah non, il peut me tuer d'ici. Mais je voulais le contrôler en fait. Il n'y a pas d'esclaves sur la plateforme. Trop nombreux là. Allez, ça fait un chien en moins. Mais rien sinon. Non, je crois qu'ils sont en vie. Bon, alors lui, il est où? Il est là. Mais punaise, mais comment je te contrôle? Oh là là, ce bordel. Tu peux switch entre caillou et grenade? Non. Malheureusement, non. Il y a un levier en plein milieu, là, en fait. Mauvaise idée ça. Voilà, plus qu'un, ça fera moins de bruit. Punaise, j'ai réussi à le contrôler d'aussi loin. C'est incredible. Il y a des chiens là. Il s'est fait bouffer par les chiens. Écoutez, on va attendre. C'est bon, c'est fini. Voilà. Allez, ça c'est fait. Alors, on sauvegarde. Là, ils sont 3. J'ai pas envie de prendre de risque. Ah, c'est bon, il s'est cramé. Ok. Alors. Everybody.
Follow me. Okay. Follow me. Follow you. How is it going? Hello. Follow okay. me. Here we go. Il n'y a pas censé y avoir des zones secrètes, au fait, j'y pense, là. Six. Il en reste 6. Ah, mais dans une autre zone, d'accord, je croyais qu'ils en avaient resté 6. J'ai rien oublié. Je ne pense pas. Je vais faire un petit plein de grenades quand même. Non mais attendez, il est censé y avoir des zones secrètes en fait. Ouais ouais c'est ça, deux zones secrètes. Ou alors ça c'était une zone secrète? Ça m'étonnerait. Et la porte elle est restée ouverte. Aïe. Pourquoi je reviens là? Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre là. Six. Attendez, on va essayer de relire le plan correctement. De la zone où je suis, à la fin en effet, j'arrive à la zone rectangulaire du bas. Ça je suis d'accord. Si je reviens là, ça me fait aller là. Et c'est le début de la zone 4. Mais il y a une deuxième sortie au même endroit sur la fin qui me fait aller dans d'autres zones. Donc en gros, faut que je passe par le dessus. Il y a quelque chose en dessous, mais je pourrais passer par le dessus. Pour aller là-dedans. Et après terminer par la partie tout à droite. Et vu la grande porte qu'il y a, je supposais que c'est le boss. J'ai laissé en bas un truc rouge. Ouais. Soit. Soit. Ok d'accord. C'est là où... J'ai mes grenades, on est d'accord. Ok, ça a été cassé, nickel. Ah non, il y en a... Bon, alors attends, je me mets ici. Normalement, je peux le contrôler. Non! J'avais pas vu lui, je l'avais pas vu, je l'ai complètement oublié.
ça marche. Alors c'est pas ce que je voulais. Ça non plus en fait, allez gauche ici. Ça va casser la machine. Voilà, là c'est bon. Alors maintenant. Je sais pas si en face je les ai tués ou pas. Je crois pas. Tomber là, je peux tuer ceux du bas. Attendez, je réfléchis. Ça, c'est juste pour faire ça, d'accord. Ça, c'est pour faire quoi ça? C'est le laser d'en bas, ok. Ça, c'est une mine. Mince, il en reste un. Pas grave, parce que je peux faire ça maintenant et tenter de faire ça. Il est pas mort. Je crois que j'ai vu passer un ennemi en haut en fait. Voilà, un en moins. Maintenant, on peut se mettre là. Non, descends! Est-ce que je peux le contrôler d'ici? Ça m'étonnerait, mais... Si, trop bien. Voilà. Bah en fait, il me sert à rien. Voilà. Nickel. On récupère des grenades. Hop là. On se met là. Par là ici parce qu'il y a la machine à côté. On va contrôler lui. Voilà. Lui, il sert plus à rien. Tac. Ça y est, Eleanora se lance dans le chamanisme. Cette mine là, je ne la touche pas. Par contre, je descends, je fais hop là, le checkpoint. Tac, je saute. D'accord, il n'y a plus rien là. Ok. Du coup... Je vais là-dedans. Zone suivante. Les Slicks peuvent tirer pendant assez longtemps, mais tôt ou tard, ils doivent reculer et ajuster leur visée. Ça, je m'en suis aperçu. Je sens que ça va me rester en tête. Non, il faut faire des sonneries avec tout ça. En fait. Mon dieu, c'est quoi en bas? C'est les chiens de chaque patron du CAC 40? Pourquoi je vais faire ça? Il y a des chances, oui. Il y a marqué quoi? R de traitement? R... Être? R? R de traitement. Ouais. Alors, il y a un laser. Il y a lui. Par contre, le truc lumineux en fond derrière, c'est pas cool. C'est trop flashy. Sonner.
Hey, mais il me bouffe quoi. Ah attendez, il y a un laser. Ah. Il s'est bouffé ici. Pardon, mais je veux de nouveau un employé là. Ah mais il y a le sac qui est ouvert. Ah non, c'est pas les saloperies à trois pattes avec un bec. Je le lis, mais je ne l'autorise pas. Ah mais attends, en plus c'est l'automode, c'est même pas les mots ivassantes, c'est l'automode. Donc comme quoi, c'est tu t'es fait modérer partout, tu n'es même pas par nous, tu vois. Là-dedans. Un peu trop de monde là. Je suppose qu'il y a une niche qui est cassée. Alors là, je peux y accéder. Attendez. Là, c'est un truc qui monte. Mais là, il y a un laser. Ça, c'est pour appeler quelqu'un. Ça, c'est le laser. Ça, c'est un autre laser. C'est dangereux la position auquel je me suis mise là. En vrai. Il m'a bouffé. Ah. Je crois qu'il va falloir que j'aille très très vite. Ah. Ça fonctionne, hein. En vrai.
Oh mais il repop. Ici non. Ceux-là ne repop pas. Mais ceux de là-bas, oui. Ceux-là repop. Ah, ça c'était pas prévu. S'est fait bouffer. Je comprends pas des fois la logique là-dedans. Oh, parfait. Il y en a un autre là-bas, ennemi. Je l'ai vu avec sa lumière. Voilà. Pourquoi ouvrir l'accès à gauche? Parce que sinon je peux pas passer moi. Et il n'y avait rien d'autre à faire, hein, de toute façon. Hop là, on s'en va. Je vais pas appuyer de suite sur le levier, si. J'ai très peur. Oh, c'est dégueulasse. J'avais trouvé le moyen de couper toute l'énergie. Et je compris alors que tout serait bientôt fini. Il a bien dit toute l'énergie. Alors il a coupé toute l'énergie, mais par contre, les ascenseurs fonctionnent. Il y a un zzz, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Je veux juste savoir. C'est le chien qui dormait, punaise. Ah! Ah, ils ont bouffé le... Ils ont quand même bouffé le truc. Les cadavres, ils sont toujours là, quoi. Hop là. Et là, je suis dans la... On va dire que c'est un jeu rétro et que le pop répop, souvent, ça bug. L'énergie de secours. Oui, oui, t'inquiète. Ça fonctionne, sérieux. Voilà, un jeu rétro, pop des pop repop. Allez, bisous. Hop là. Par contre, il me reste encore des gens à sauver en fait. Salle du conseil. Oh punaise, j'en ai raté des gens. Expérience vécue, vision d'horreur, c'est le destin qui amène Abe, il n'a plus peur.